Yo, c'est Gavin de Lensgerbej, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau petit tuto. Alors du coup, dans ce tuto, il était très demandé, et en fait c'est le tuto de la base des bases, mon ami, parce qu'aujourd'hui on va apprendre à faire un bunny up. D'ailleurs, merci beaucoup, il y a 8000 abonnés sur la chaîne, on les a passés hier ou avant-hier, je sais plus, et ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir, parce qu'on se rapproche, mais parce que ça augmente tout simplement. Donc on attend les 10 000 abonnés. Parce que pour les 10 000 abonnés, je sais pas, faudra qu'on fasse un truc cool. Peut-être qu'on fera une jam, je pense qu'on fera une jam. Enfin, il y aura un truc cool à faire, en tout cas. Il se passera un truc cool pour les 10 000 abos. On fera un concours du curfew, tout ce que tu veux. En attendant, je peux toujours commander sur Unlimited avec le petit code promo. Lennon5, pour avoir 5%. Et financer un petit peu les concours, et nous aussi, pour qu'on puisse acheter des pièces. Voilà, on passe à la vidéo. En fait, je me rends compte que j'avais déjà commencé ce tuto. En fait, je l'avais filmé, en fait, le tuto 180 que vous avez dû voir. En fait, de base, c'est un tuto bunny up. Enfin, j'ai dû couper le début, parce que en fait, au début, tu m'entends juste dire « Salut, on commence un tuto bunny up », et après j'explique un 180, ça n'avait aucun sens. Du coup, là, cette fois-ci, on va faire un vrai tuto bunny up. L'éclairage, encore, il est bizarre, il n'y a que la moitié de ma tête qui est éclairée, mais t'inquiète pas. Dans genre 2-3 semaines, voici, j'aurai des lumières. Enfin, j'aurai tout le matos, du coup, ce sera cool. Alors bref, du coup, comment faire un bunny up? Du coup, un bunny up, déjà, regarde ce que c'est. Voilà. Alors, pour faire un bunny up, mec, c'est super simple. À chaque fois que je dis ça en début de tuto, je vois, c'est super simple, enfin bref. Alors du coup, pour faire un bunny up, ça se fait en 3 étapes. En fait, il y a l'étape où tu vas tirer, où vraiment tu vas tirer ton vélo, enfin vraiment l'avant, tu te cabres, et l'étape où... Non, en fait, non, c'est en 2 étapes. Il y a l'étape où tu vas cabrer, et l'étape où une fois que t'es cabré, tu vas pousser en avant, tu vas plier les jambes, pousser en avant, et là, ça va faire décoller ta roue arrière, et après, on va dire la troisième étape, t'atterris, mais voilà, tu vois, y a rien d'incroyable. Alors en fait, pour la première étape, en fait, faut juste savoir se cabrer, gros, tu vois, c'est pas dur du tout, c'est juste, tu tires sur ton guidon, tu te penches un petit peu en arrière, tu vois, en fait, tu te dresses, c'est pas tu te penches vraiment en arrière, c'est tu vas te dresser, comme ça, tu... Enfin, genre, tu tires en te dressant, comme si tu soulevais un truc vite, tu vois, tu te dresses, tu tires et tu ramènes. Le ramène comme ça, comme sur cette photo, en fait, tu vois, que tu peux voir, où c'est vraiment ce mouvement-là qui a été pris. En fait, tu vas ramener, et une fois que tu vas ramener, tu vas un peu mettre tes poignets en avant. Voilà, je regarde dans le retour, c'est bien fait. Voilà, en fait, tes poignets, tu fais un petit peu ça, et tu vas tendre tes bras en avant en descendant comme ça. En fait, tu vas faire ce mouvement-là en tendant les bras et en pliant les jambes, et ça va faire décoller l'arrière. Et tu vas me dire, c'est très simple, ça a l'air très simple, comment tu le dis? Enfin, c'est très simple, mais quand tu débutes, pas spécialement. Du coup, en fait, tu peux t'entraîner à faire... à lever la roue arrière. Tu veux juste t'entraîner à faire ce mouvement, à pousser, en fait, avec le corps et les bras un peu en avant quand tu roules, tu fais ça juste pour décoller l'arrière. Je sais pas du tout si j'ai un extrait où je fais ça, je pense pas. Mais en soi, c'est juste, tu vois, ou même tu te mets droit sur ton vélo, tu tiens le guidon, tu ramènes ton vélo et tu le pousses en avant d'un coup, juste pour faire décoller l'arrière. Bon, soit t'es pas obligé, mais ça peut t'aider. Mais en tout cas, c'est vraiment ça, en fait, tu tires, tu ramènes vers toi, en fait, tu sautes, tu tires vers toi, et ensuite, une fois que t'es cabré, eh ben, tu pousses en avant en remontant un petit peu, tu vois, tu pousses en avant en faisant ceci. Tu pousses en avant et tu plies les jambes. Plus tu vas plier les jambes, plus ça va aller haut. Tu vois, en soit, t'es pas obligé de plier les jambes à fond à chaque fois, tu vois, mais du coup, tu vois sur la vidéo que je t'ai montré que je tire un petit peu au max. Mais voilà, ça dépend, tu vois, il y a des degrés différents. Au début, tu vas tirer, ça va juste décoller l'arrière, mais c'est normal. Et après, quand tu forceras, que tu comprendras bien le mouvement, hein, tu feras des bunnies de turfu, mec. Comme sur ce tof, regarde. Il est titané, zéro. Mais bref, du coup, voilà. Enfin, il n'y a rien d'autre à expliquer. Juste, voilà, tu tires, tu te cabres, et tu pousses en avant, en gros. Là, j'ai vraiment sec-patisé le truc, il n'y a pas... Trembouille pas avec le reste, c'est vraiment juste ça, tu tires d'abord l'avant. Et décolle pas les deux roues en même temps, le but c'est pas de tirer les deux roues en même temps, c'est vraiment en plusieurs parties.